Bonjour et bienvenue à Sogebank Startup Saturday. C'est toujours un plaisir, une joie immense d'être avec vous pour vous présenter SSS. On ne saurait aller plus loin sans prendre le temps de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. 2020 a été une année assez particulière, assez corsée, assez dure, assez surprenante. Mais we made it. On est passé au travers 2020. Maintenant, nous sommes en 2021. SSS, c'est des formations pour vous aider à mieux vous positionner sur le marché, mieux structurer vos activités professionnelles et des tips, des conseils sur plan d'affaires, présentation, aménagement de sites web, gestion de réseaux sociaux. C'est toujours un grand privilège pour Groupe Sogebank rentrer la caillou sur les réseaux sociaux via page Bange, Chocarella, page Groupe Sogebank pour nous faire un petit chita parler avec vous, pour nous mener la caillou des professionnels aguerris, des gens qui sont prêts pour partager expérience avec ou même qui sont jeunes entrepreneurs ou même qui sont en start-up. C'est dans l'optique ça que Groupe Sogebank lit. Lancer projet ou bien série de émissions SSS Radio live. C'est des présentations de qualité qui nous dans la session passée nous donnent des témoignages des gens qui ont participé à SSS ou bien qui ont suivi régulièrement SSS, qui ont appliqué les conseils de SSS et qui ont amélioré leur productivité et qui ont su faire une meilleure gestion de leur argent. 2020, nous pas compte qui ça a porté pour nous. Mais nous passer au travers de lui-même. Conseil que moi t'as apporté pour nous, dans nos groupes Sogebank, c'est emmène-nous de courage, emmène-nous de toute, mettez à portée de main toute connaissance que nous sommes capables pour nous affronter en année 2021. Parce que pas rien qui dit que la facile, pas rien qui dit que, bon, proverbe a dit, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc, mettez ça dans la tête, nous, chaque jour, levez, gourmet pour nous passer au travers de l'année 2021. Première SSS pour l'année 2021, nous-mêmes, dans le groupe Sogebank, nous décidons de commencer avec Janida Azor, jeune, bourré d'énergie, bourré de talent, de compétences, qui ce matin va vous parler de comment faire une bonne gestion. Comment faire une bonne gestion des fonds? Janine, bon, on nous change par là, Anessa. Janida, je te cède la parole, présente-toi et puis annonce-nous le sujet. Bienvenue dans SSS, Janida. Merci beaucoup Philippe et bonjour à toi et bonjour à tous les participants à cette neuvième séance de SSS, Sogebank Startup Saturday. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui hein, pour me là avec nous parce que sujet nous allons débattre là, c'est un sujet qui me passionne et n'a bien pour nous découvrir pis devant qui expérience m'a fait, qui t'a mené que moi, une passionnée de sujet ça, passionnée pour me partager expérience moi et aider l'autre monde à améliorer financier. Donc, thème non aujourd'hui, hein, c'est améliorer la gestion de vos finances personnelles. Donc, c'est un thème qui choisit vraiment en début année, hein, côté que tout le monde a fixé tête de nouvelles résolutions. De nouveaux objectifs, pensez que thème ça est vraiment tombé à point. Pour année à côté que nous allons débattre tout au long de présentation ça, moi je vais parler de plusieurs bagages, moi je vais faire des exercices avec Mounio pour être capable de découvrir vraiment qui relation il y a avec l'argent et dans quel domaine spécialement il a supposé porter amélioration à la caille. Donc en gros c'est de ça nous allons parler. Alors, moi-même, moi c'est Janida Azor, moi c'est officier relations clients dans Sogebel. Donc, Sogebel, c'est Société Générale de Banque d'Épargne et de Logement. C'est une filiale dans le groupe Sogebank qui spécialise dans l'immobilier. Moi, licencié en administration des affaires,
Moi, j'ai gagné tous des certificats en marketing, en ressources humaines et en audit. De notre côté, moi, c'est cofondatrice Association Femmes d'Impact. Association Femmes d'Impact, c'est une association qui travaille surtout dans les villes provinciaux avec des mères célibataires, côté que nous offrions des séances de formation sur l'éducation sexuelle, l'éducation financière et puis l'entrepreneuriat. Moi, c'est un money coach. Et puis, bon, c'est vraiment un plaisir pour moi là, avec nous matin, pour nous discuter, pour nous partager informations et puis expériences. Je pense que vraiment, on a passé un super moment ensemble. Merci beaucoup, Janida, pour super présentation ça. Merci pour permettre moi bon vraiment un résumé de autorité femme qui devant là qui va le faire et animer une session ça pour moi. Janida Azor, banquière. Alors, Janida Azor, banquière et money coach, détient une licence en administration des affaires et est cofondatrice de l'association Femmes d'Impact AFDI. Une organisation qui travaille en vue de renforcer la capacité des femmes vivant en milieu rural. Elle a travaillé au sein de Women's Business Center of Utah, où elle a appris les meilleures pratiques pour fonder et diriger une organisation à but non lucratif. Elle a aussi suivi des formations en leadership, entrepreneuriat, marketing et audit. Donc, en résumé, je vous présente Janida et Azor. Membre du groupe, alors employé du groupe Sogebank, particulièrement de la filiale Sogebank. Janida, à toi. Merci beaucoup, Philippe. Comme je disais tout à l'heure, le thème de cette séance, c'est améliorer la gestion de vos finances personnelles en 2021. Donc, on est au mois de janvier. C'est moi, côté tout le monde, à fixer de nouvelles résolutions. Pensez que ce sujet, ça, vraiment, est bien choisi pour nous-mêmes, pour nous capables de chercher des moyens pour nous améliorer tête, nous. Améliorer tête, nous, sur tout aspect. Mais je dis, spécialement, nous allons parler de améliorer gestion finances personnelles. Donc, ça, c'est, je vous présente tête, moi. Voici le thème. L'objectif général de cette séance, c'est d'intervenir sur le thème améliorer la gestion de vos finances personnelles en 2021. Et comme objectif spécifique, donc nous allons voir, nous allons développer, nous allons partager ces points avec vous. Premièrement, c'est vous connaître mieux afin d'améliorer vos finances. Donc, avant même d'entrer d'emblée dans le sujet, je vais voir avec vous, je vais vous aider à découvrir votre relation avec l'argent. Ensuite, nous allons définir l'éducation financière. Je vais vous aider à faire le point sur votre situation de départ, parce que c'est vraiment important. On ne peut pas se dire qu'on va s'améliorer sans savoir où l'on en est pour le moment. Ensemble, on va fixer des objectifs financiers pour l'année 2021. On va définir épargne et ses différents types. Il faut noter que l'épargne, c'est l'un des piliers pour améliorer ses finances personnelles. On va identifier des stratégies pour constituer progressivement une épargne. Et je vais partager aussi avec vous les principes de base pour améliorer la gestion de vos finances personnelles. On va aussi parler de budget et je vais partager avec vous certains livres qu'il faut absolument lire si on veut s'améliorer en termes de finances personnelles. Donc, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous allez me poser des questions pour améliorer votre compréhension du sujet et savoir vraiment, pour le premier point, vous connaître mieux. Mieux vous connaître pour améliorer vos finances personnelles. Là, et je vous invite vraiment à faire un travail personnel.
à faire un travail personnel, à faire une introspection et même un retour sur votre enfance, par exemple. Donc, avant de parler d'amélioration de la gestion des finances personnelles, il est important de réfléchir sur vous-même et de votre relation avec l'argent. Souvent, on dit que l'argent est un sujet tabou dans notre société. On ne reçoit pas d'éducation financière à l'école et dans les familles. De plus, les rares fois qu'on en parle, on utilise une connotation négative. Donc, pour mieux vous connaître, je vous invite à faire une introspection. Je vous invite à faire un retour, par exemple, sur votre enfance. Est-ce que dans la famille, on, par exemple, sujet l'argent, c'était un bagage qui courant? C'était un sujet que maman m'a porté qu'on prend le temps de parler avec vous? Ou bien, comment ça te passé dans la famille? Et pour eux, comme si qui répercussions les gagnent sur vous, je vous dis, en tant qu'adulte, en tant que mère, en tant que père de famille, qui répercussions les gagnent sur vous. Donc, puis devant, n'a pas tout ça. Et moi-même, il faut me dire que dans la famille, pas comme si dans l'école, moins, bah, je ne recevais une éducation financière. Ça qui fait que l'homme a commencé à travailler, comme si on a un petit coup à rentrer dans le monde. On est au jeune, donc on entraîne à faire des folies, on dépense par-ci, par-là. Parce que nous, jeunes, nous n'avons pas vraiment pensé à demain, nous n'avons pas vraiment pensé à épargner. Donc, ça t'est venu faire que moi-même, personnellement, moi, t'ai fait de très mauvais choix financiers, de prendre de mauvaises décisions qui, par la suite, t'est venu des répercussions sur la vie financière, moi, et même sur la vie psychologique, moi. Faut me dire tout que l'homme de l'école, dans le secondaire, chaque jour, il y a soit 50 gouttes ou bien 100 gouttes. Et puis, je me rappelais, chaque fois que je finis, je dis moi ça, ou à gaspiller, comme si je suis supposé gérer. Mais je ne pas dire gérer en soi, c'est comme un ultimatum, je dis pas gaspiller. Ensuite, donc, tout le temps m'a grandi, ça a eu des répercussions sur moi. Ça a fait que l'homme fait de très mauvais choix financiers. L'homme vient rendre moins compte que faut moins former tête moins en termes d'éducation financière. Ça a fait que moi, je viens tourner une sorte de maniaque, une sorte de monde qui paraît me gaspiller, qui paraît me dépenser, qui toujours et attendre une sorte de sécurité pour si t'as un bagage qui arrive. Donc, tout ça, c'est pour inviter nous, pour nous garder dans nous-mêmes, quelle situation nous était qu'on vivait dans la famille, non? Là, nous étions petits, ou même pas dans nos grands moments là, est-ce que nous étions vivant des situations, est-ce que nous étions perdus des corps qui viennent gain des conséquences sous façon que nous sous relation nous avec l'argent. Donc, tout ça, c'est un travail personnel à faire avant d'aller plus loin, avant de se dire qu'on doit s'améliorer. Et il y a un autre comportement que nous gagnons en termes d'argent, c'est que nous souvent à parler de problèmes l'argent nous gagne. Par exemple, ah, mi font business, oui, même pas assez l'argent. Si quoi m'a touché à pas même suffit, comment m'a fait pour m'épargner? Donc, tout ça, c'est des problèmes, l'argent, que le plus souvent, nous toujours parler de. Mais il y a un problème qui est plus profond, qui est capable bah ou problème l'argent, que nous pas jamais vraiment accentué sous lit, c'est ces problèmes avec l'argent. Et gens que nous avons dans ce tableau, ça, il y a un problème d'argent. En termes de revenus, en termes de gestion, en termes de manque, mais gagner des problèmes avec l'argent qui lié avec tout ça, je dit tout à l'heure. Par exemple, histoire dans la vie, ou, par exemple, à émotion. Est-ce que son monde vraiment qui vraiment émotionnel, qui pas qu'à contrôler, par exemple, qui toujours fait des achats compulsifs?
Est-ce que son monde c'est estime de soi qui faible, qui fait que vous voulez projeter une image, nan, faire des dépenses, acheter rad, acheter toute bagaille extravagant, mais sous, juste pour capable paraître, pour capable booster estime de soi ou du moins, est-ce que c'est la peur de ne pas en avoir assez, qui fait que probablement vous venez un monde qui toujours abserré, qui toujours abserré, mais qui pas jamais dépensé. Donc, c'est le genre de comportement ça. Soit nous toujours parler de problème l'argent qui a un rapport avec le revenu, mais le plus souvent, nous ne pas parler de problème avec l'argent qui a un rapport avec émotion, avec enfance, nous, avec histoire, nous, avec et désir, nous, etc. Donc, nous allons continuer. Gen pile, par exemple, nous gagnons la théorie freudienne, alors Sigmund Freud, un psychanalyste, qui dit que notre rapport dépend en grande partie de la manière dont nous avons été éduqués. L'éducation que nous avons reçue en famille est souvent responsable des relations que nous entretenons avec l'argent et de la représentation que nous en faisons. Non seulement notre utilisation de l'argent est déterminée par notre éducation, mais notre conception même de la valeur de l'argent est influencée par l'environnement familial. Donc, j'ai comme t'as dit tout à l'heure, hein? Comme si en Haïti, comme si dans le système éducatif, nous pas gagné un cours sur l'éducation financière. Nous pas gagné un cours qui pour dire que, OK, l'offre fin université ou bien, ou comment c'est travail, ou comment c'est gagné comme cap rentrer dans le monde, mais comment pour gérer comme ça. Mais comment pour faire l'argent, ça fait petite, par exemple. Nous pas recevoir l'éducation, ça. Donc, dans la famille, nous tous, chaque monde a une expérience personnelle à la famille. Pas pour dire toute famille, pas jamais parler petite de l'argent, mais le plus souvent, il toujours dit, l'argent, ce n'est pas un sujet qui regarde tout le monde. Donc, tout le monde n'a pas rien pour parler de ça. Donc, il peut s'agir d'une enfance dans la pauvreté, de messages de nos parents au sujet de l'argent que l'on a inconsciemment intériorisé, ou quelques années plus tard, d'un coussin financier qui part en fumée suite à un ralentissement, une crise économique, etc. Tout le monde a connu au moins un point d'ancrage financier dans sa vie. On va continuer avec Philippe Geffroy. Donc, Philippe Geffroy, c'est un coach financier. Donc, il a fait certaines recherches en ce qui a trait au rapport de l'homme avec l'argent. Donc, il a conclu qu'il existe quatre pathologies de relation avec l'argent. Anorexique financier, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Avare et radin. Dépensier et prodigue. Accro à la réussite. Donc, anorexie, c'est un mot qu'on utilise surtout dans la psychologie pour les gens qui n'ont pas qu'à manger. Et puis, Philippe même, il était associé avec finance, anorexique financier. Anorexiques financiers qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, malgré leurs efforts, obtenir ni gagner de l'argent. Donc, comme symptômes, les gens qui sont anorexiques financiers, sont les gens qui ne sont pas à l'aise, par exemple. Si moun sa arrive nan entrevue pou l negosye salèr li, li pa santi l konfortab pou l fè sa. Son moun tou, li gen dwa fin fon travay pou, travay la bien fèt, men l pa bzou, tu dwa me peye tan d'arjan pou se travay. Li gen dwa zou, ah, wabon m sov li. Ou di mwen li sous-estime travay li fè. Moun sa yo, nou rele yo de anoreksik finansi. Gen tou de personalite kontrolante. Personnalité contrôlante, yo si avare ou bien yo rele yo radin. En créole, yo kon rele yo pein, comme si moun nan ap serre, serre, serre kòb, men ki pa janm vle vraiment dépenser. Et puis, gen les dépensiers compulsifs et prodigues qui tentent de rehausser une faible estime de même par des achats frénétiques ou une dilapidation de leur argent au profit des autres. Dépensier, c'est moun ki just ap dépenser, ap dépenser. Yo dépenser pour tête, yo dépenser pour moun tout.
et puis accro à la réussite, qui se confondent avec l'argent qu'ils gagnent et emploient tout type de moyens pour y parvenir. Accro à la réussite, là, son monde, comme si qui ont un problème de doute, qui toujours à chercher gagner plus l'argent. Qui toujours à chercher gagner plus l'argent. Donc, parmi quatre ça y a, quatre pathologies ça y a, d'après Philippe Geffroy, est-ce qu'on retrouve là-dedans? Est-ce que son monde qui pas sentir confortable ni pour parler de l'argent, ni pour négocier travail li en termes d'argent? Est-ce que son monde qui toujours à se recouvre, qui peine, mais qui pas jamais les dépenser, même pour tête li, même pour faire tête li plaisir une seule fois? Est-ce que son monde qui aime dépenser? Est-ce que son monde tout qui accro à la réussite, ça veut dire qu'il toujours à chercher gain plus l'argent. Donc, il est vraiment important pendant que n'a parlé de votre relation avec l'argent pour nous faire un retour sur vie nous, sur situation que nous te vivons dans famille nous ou bien nous même personnellement pour nous qui répercussions les gain sur la vie nous, je ne veux dire. Donc première étape là vraiment c'est les reconnaître. Les reconnaître est la première étape pour se défaire de leur emprise et vaincre nos troubles vis-à-vis de l'argent. Ensuite, il faut apprendre à identifier nos croyances en termes d'argent, à les repérer lorsqu'elles s'insinuent dans notre esprit et à les remplacer par des pensées plus saines, plus justes et plus productives. Donc, la première étape vraiment, c'est de savoir c'est quoi ma relation avec l'argent. C'est quoi ma relation avec l'argent? Et ça, vraiment, c'est un travail personnel parce que chacun a vécu une situation différente, par exemple. Donc, c'est vraiment à vous de faire une introspection et de voir vraiment, de découvrir quelles sont vos relations avec l'argent. Donc, une fois que vous avez déterminé votre relation avec l'argent, donc, il faut penser à améliorer votre situation et cela doit obligatoirement se faire par ce qu'on appelle l'éducation financière. Donc, on va en parler tout de suite. L'éducation financière, c'est le processus par lequel un individu améliore ses connaissances des produits, concepts et risques financiers et acquiert au moyen d'enseignement les compétences et la confiance pour prendre des initiatives efficaces et améliorer son bien-être financier. En termes beaucoup plus simples, on peut dire que l'éducation financière, c'est comment faire de l'argent, comment gérer de l'argent et comment investir de l'argent. Donc, comment faire l'argent? Il y a un auteur qui dit, par exemple, il y a Robert Kiyosaki qui dit qu'il y a quatre façons yon moun ka fè l'ajan. Ou ka fè l'ajan en tant que salarié. Ou travaille 8h, 4h, 9h, 5h et puis, yon paye ou. Yon deuxième façon, c'est comme les socioprofessionnels, c'est comme les avocats, les médecins qui gen cabinet yon, qui gen clinique yon. Par exemple, avocat, il fait une défense nous, ensuite, ou paye l'honoraire li. Ça, son deuxième façon ka fè quoi? Troisième façon capable faire quoi c'est à partir d'un business system. Donc business system non, de nos jours il y a un qui très à la mode qui est le TLC. Donc il y a un pile monde qui involve là-dedans, il y a un pile monde qui fait quoi là-dedans. Ensuite, quatrième façon monde capable faire quoi c'est par l'investissement. Ça veut dire par exemple on doit acheter des actions et puis ça rapporte au quoi. Et puis comment gérer de l'argent. Quoi ça va rentrer hein? Quelle que soit façon, hein? Que ce soit salarié ou bien business system ou bien en tant qu'investisseur, il y a une façon, il faut qu'on connaisse comment vous gérer comme ça et comment on peut investir comme ça en tout pour faire petit. Donc, l'on parle de éducation financière, trois bagages ça, automatiquement, tu as supposé une en tête. Pourquoi acquérir des connaissances en éducation financière? Donc, il faut dire que nous ne sommes pas allés de relation avec l'argent. Nous venons faire une prise de conscience pour nous dire moins doué améliorer relation avec l'argent
cela doit se faire obligatoirement par ma formation en éducation financière. On vient de définir l'éducation financière en termes beaucoup plus simples, c'est comment faire de l'argent, comment gérer de l'argent et comment investir de l'argent. Ensuite, maintenant, on va voir pourquoi acquérir des connaissances en éducation financière. Elle vous permettra de savoir comment gérer au mieux votre argent en fonction de nos objectifs de vie et du concept, contexte économique et financier. Elle nous protégera sur le plan financier et nous aidera à atteindre nos buts, nous permettra de faire des choix pertinents dans votre vie financière, de développer des habitudes financières responsables à long terme, anticiper les imprévus, fixer des objectifs financiers, connaître l'importance d'épargner. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles il est important de se former en termes d'éducation financière. Et on va continuer avec un exercice vraiment très important qui vous regarde, c'est faire le point sur votre situation de départ. Avez-vous récemment pris le temps de faire le bilan de vos finances personnelles? Donc, étant donné que plus loin, je vais partager avec vous des principes qui vont vous aider à vous améliorer en termes de gestion finance personnelle. Mais avant, il faut vraiment savoir où vous en êtes pour le moment. Faire le point sur votre situation de départ, c'est un exercice qui est simple, mais qui est vraiment important, qui permet de connaître qui côtoyer sur le plan financier. Est-ce que sont un monde qui stable financièrement? Est-ce que sont un monde qui a plus de dettes que revenus? Ou du moins, est-ce que actif ou plus que des tout? Donc, nous parlerons de ça tout à l'heure. Donc, à partir du bilan financier personnel, l'examen de votre bilan, qu'il soit positif ou négatif, vous incitera sans doute à reconsidérer certains comportements financiers comme vos habitudes d'épargne ou votre utilisation du crédit. Dans la même logique, faire le point sur votre situation de départ, il y a une formule qui est vraiment simple. C'est valeur financière nette égale à total actif avec total moins total passif. Donc, question que vous posez tout dans le moment-là, Kounia, c'est qui ça me possède? En termes de liquidité, en termes de placement ou bien en termes d'actifs. Donc, là, il fait bilan financier personnel, il est important pour garder qui sort gagné, qui sort possédé. Qui sort possédé. Par exemple, ou garder compte d'épargne, ou garder compte d'épargne, ou garder qui quantité quoi bien gagné. Est-ce qu'il y a des DAT? DAT, c'est dépôt à terme. Est-ce que tu as acheté des actions? Est-ce que tu as fait des investissements ou bien des obligations? Est-ce qu'on a d'autres biens? Donc, tout ça, vous regardez qui ça vous possédez. Ensuite, vous faites total. C'est la même chose pour les dettes. Est-ce que vous avez un point à la consommation? Est-ce que vous avez dette code de crédit? Est-ce que vous avez dette immobilier, dette machine? Donc, tout ça, vous calculez ensemble, vous faites total. Donc, vous avez un tableau pour nous capables plus comprendre comment vous faites bilan. Donc, ça, c'est un tableau de préparer. Par exemple, en termes d'actifs, de mettre les comptes d'épargne, comptes chèques, les placements, immeubles, mais ils dépendent de vous-même, de ça, rien. Actif, là, c'est tout ça possédé, ou bien tout ça qui a mis l'argent dans le poche. Et puis, je fais total actif, là, j'en ai capable. Total, là, t'es égal à 8 900 000. Ensuite, je fais de lister quelques passifs. Passif, c'est tout ça qui a retiré l'argent dans le poche. Par exemple, sous-doué code de crédit, 8 500 goud, ou te prêté dans mes mamans, dans mes frères, en point personnel, 10 000 goud, ou te acheté une machine, ou doué machine, non, sous-doué prêt hypothécaire de 10 millions de goud, tout
qualité de dette ou listeo et vous faites total. Ensuite, vous faites soustraction hein, ou retirez total dette là dans total actif là. Nous va regarder puis devant qui ça ca passer. Donc, il y a un monde qui fin fait bilan, qui fin fait petit tableau ça, par exemple qui mettait toute salle gain d'un côté, qui mettait toute salle doué d'un autre côté et puis li retirer total dette li nan total actif yo, capable gen 3 cas qui présenté. Total actif là, total sort possédé, gen doit égal à total passif là. Ça veut dire que ou ap viv vraiment nan limite. Moun on moun konsa l'ap difficile pou le faire économie et puis l'ap difficile tout pour serrer un petit cob pour s'il ta gon problème pi devant. Et puis nous gen total actif là, total sort possédé yo gen droit pi gros parce total dette tout. Là, yon moun ki nan situation sa, la pi facile pou le faire économie, pou l'investi. Et puis, nou gen yon troisième cas, ki se total actif lan, li gen doit inférieur avec total dette yo. Donc, yon moun ki nan situation sa, vraiment, son moun ki doit reconsidérer kal lan. Si yon moun ki doit formé tête li dans ce qui a trait avec l'éducation financière son monde qui doit commencer prendre des mesures pour le capable changer situation. Et l'on fin faire bilan, ça veut dire ou vin konnen kotoye, est-ce que ou vive à la limite ou bien est-ce que total actif ou pi haut que total dette ou du moins est-ce que ça possédé pipi ti passé dette ou gain ou pour son monde qui probablement vivre au-dessus de moyen. Donc qui sont qu'à faire pour résoudre situation ça. Donc nous va passer dans un autre point qui vraiment important surtout dans nous en janvier début d'année la motivation est au rendez-vous, c'est le meilleur moment de se fixer des objectifs financiers. Fixer des objectifs financiers. Donc, nous finissons que nous finissons faire bilan, par exemple, ou que des taux pire passé et revenus, ou du moins ou total soit gagné vraiment au même niveau avec total des taux, qu'on y aurait dit ah forme fondant pour m'améliorer bagay. Donc forme fondant pour me fixer tête moins des objectifs. Parce que objectifs en général, ce sont des sources de motivation que oui. Et comme suggérer nous, par exemple, là nous fixer tête nous un objectif dès que nous atteignons, nous capable faire tête nous un petit cadeau pour ça. Donc déterminer un objectif financier est indispensable pour mettre de l'ordre dans vos finances personnelles. Donc se fixer un objectif financier vous servira de guide pour savoir quelles actions vous devez prendre. Et aussi vous donnera la motivation nécessaire pour y arriver. Les objectifs donneront un sens à vos actions quotidiennes. Par exemple, en termes d'objectifs financiers, nous gagnons, par exemple, on doit décider pour construire un fonds d'urgence. On doit décider pour commencer par faire un budget. On doit décider apprendre à contrôler les dépenses. Ou du moins réduire vos dettes de X pourcentage sur une période précise, ou bien doit décider à ça ou dire ou commencer à investir, ou bien ou fixer des objectifs à long terme, ou bien doit dire que ou commencer à économiser et puis après 2 ans, 5 ans, ou décider gain propre commencer à construire propre caille par. Donc tout ça ce sont des exemples d'objectifs financiers. Et là, fixer tête ou yon objectif, moi j'aime toujours dire, toujours conseiller au monde pour écrire, objectif ça yo, ou gen doit et mettre yo dans yon côté que ou utiliser, par exemple, gen doit mettre yo dans porte chambre ou bien dans tête cabane ou bien dans bureau, comme si ou toujours gen en vue sur yo, c'est objectif ça yo vraiment qui pral et gen répercussions sur action que vous posez dans vie, c'est objectif ça autour qui pral et de réfléchir deux fois avant faire un achat compulsif.
Toutefois, vos objectifs doivent être précis, mesurables, réalisables, réalistes et avec un délai limite. Aussi, pour ne pas se décourager en cours de route, il est conseillé de ne pas se fixer des objectifs trop exigeants. Donc, sous son monde qui a un pile dette, par exemple, pas qu'à dire, ah, d'ici mars, je vais finir à toute dette. Donc, il faut qu'on soit raisonnable. Soit fixé. Soit dit, par exemple, et par exemple, je vais économiser 1 000 $. Pour qui ça, 1 000 $ pour les fêtes de Noël, par exemple. Donc, le ça, ou fixer un objectif qui, faut que l'objectif là, dans un niveau, faut pas trop exigeant avec tes tout. Et le nous avons défini éducation financière dans tout, il y a un mot qui t'a retenu l'attention, c'est processus. Donc, processus là, c'est un bagage qui fait étape par étape. Ce n'est pas que COVID, ouais, et ou décide d'améliorer tes toi, d'un seul coup, tout bagage a changé, mais c'est surtout un processus d'apprentissage. Il faut être vraiment patient avec soi-même. Donc, il ne faut pas se faire beaucoup trop d'exigences pour ne pas décourager après 2 semaines, 2, 3 semaines. Voilà. On continue. Donc, pour améliorer la gestion finance personnelle, il y a un aspect qui est vraiment important, c'est l'épargne. L'épargne, c'est la quantité d'argent mis de côté pour réaliser un projet. C'est la partie du revenu qui n'est pas dépensée. Ainsi, après s'être acquitté des dépenses courantes, comme l'alimentation, les loyers ou crédits, les charges ou encore les loisirs, l'épargne financière constitue le reste du capital qui n'a pas été utilisé. Cet excédent de revenus est stocké généralement sur un compte d'épargne de type livret. Supposez que nous, toute la captandem, nous gagnons au moins un compte d'épargne. J'en suis sûre. Donc, épargne là, c'est un élément qui est vraiment important dans l'éducation financière ou bien dans la gestion finance personnelle. Et pour qui ça? Pour qui ça, il est important pour nous gagner une épargne. Épargner a de nombreux mérites, surtout en période difficile, comme la crise sanitaire actuelle et la situation de notre pays. On connaît toujours à recevoir des questions. Côté mon madame, Haïti est là, par exemple, pas même fait suffisamment de cob pour vivre normalement. Est-ce que capable de rentrer dans la logique épargnée. Puis devant après ça. Puis devant après ça. C'est vrai que nous connaissons un pays difficile. Par exemple, soutenons l'autre pays, par exemple, bagayote doit aller mieux, mais nous en Haïti, nous supposons adapter nous à la situation. Donc, pour qui ça est important pour que nous constituions une épargne financière? Premièrement, c'est se constituer un matelas de précaution en cas de coup dur. On prend un exemple qui est vraiment simple. À cause de Corona, comme si en 2020, pas de gens qui te jamais connaît que tu as bien Corona qui entrait dans le monde là, qui fait que en pile entreprise obligée à renvoyer employés, etc. Juste imaginez un monde qui pas de un fonds d'urgence. Par exemple, qui pas bâti un fonds pour les vieux jours, par exemple. Donc, nous disons que épargne a permis tout constituer un matelas de précaution en cas de coup dur. Si vous perdez du job ou kounya, ou supposé, ou ta doué, gagne un petit côté qu'on mettait de côté pour capable kembe avec des pinceaux avant que vous joignez le travail. Par exemple, financer des achats nécessaires, tout. C'est un projet pour acheter une autre machine ou bien pour rénover caillou, quel que soit le projet, c'est épargne à cabedo. C'est épargne à cabedo. Parce que même si on va chercher prêt,
la banque ou bien une institution financière quelconque, il a toujours demandé un frais de participation. Ensuite, payer les études de ses enfants. Comme si, en Haïti, nous pas gain culture ça, comme si c'est sur le tas quand le petit l'arrivée pour l'école, c'est le ça n'a fait être chaud, n'a cherché prêter quoi. Mais avant ça, nous avons droit commencer planifier rentrer l'école, rentrer petite nous l'école. Donc et tout cela doit se faire à partir d'une épargne financière. Aussi, s'offrir des vacances hors de sa région ou de son pays, acquérir sa résidence principale, compléter sa retraite, investir pour faire fructifier son argent. Donc, tout cela peut se faire à partir des épargnes que vous avez. Donc, nous venons de voir pourquoi il est important de se constituer une épargne financière. Et maintenant, je vais voir avec vous les différents types d'épargne qu'il y a. Pour bien placer ce capital, il faut auparavant identifier quel type d'épargne financière vous pouvez détenir. Il existe en effet plusieurs formes d'épargne. Il y a l'épargne liquide, il y a l'épargne de projet et il y a aussi l'épargne de retraite. On va voir ensemble ce que c'est. L'épargne liquide ou épargne de précaution, c'est un matelas de sécurité indispensable en cas d'imprévu. Il s'agit de se constituer une petite réserve qui servira en cas de dépenses exceptionnelles, panne de voiture ou de plomberie ou des moments difficiles, perte d'emploi ou maladie. Donc, il y aurait l'épargne liquide, ça veut dire que son COB, que vous mettez le de côté pour ce genre de situation, ça yo, mais son COB tout que qui t'a supposé être disponible dans le moment où besoin. Dans le moment où besoin. Par exemple, ou bien doit avoir un compte ATM, par exemple. Exemple, seconde urgence, la plus facile pour aller chercher liquide là, dans une machine ATM. C'est dans ce sens ça, comme si y aurait l'aile et pas un liquide. Et moi-même, je suggère mon yo, et en Haïti, dans le pays panon, pour avoir un cob comme c'est cash qui la caillou, qui pour servir en cas de besoin, en cas d'urgence, par exemple. Nous continuons. L'épargne de projet. Donc, comme son nom l'indique, l'épargne de projet vous permet de constituer un capital en vue de la réalisation d'un projet. Donc, les dépôts à terme, DAT, sont généralement conseillés pour cette catégorie d'épargne. Ensuite, on a l'épargne de retraite. De nombreux épargnants ont pour principal objectif d'améliorer les revenus qu'ils percevront lorsqu'ils partiront à la retraite. Le PER, c'est le plan d'épargne retraite, est très recommandé. Donc, épargne, nous sommes dit tout à l'heure, il y a épargne liquide qui permet nous gagner des fonds qui étaient serrés pour les mauvaises situations, ou si vous perdez du travail, par exemple. Nous avons épargne de projet, par exemple, si vous avez mis bâti en caille, gain des produits que banque offrit, par exemple gain des produits que Sogebel offrit pour ça directement. Si vous avez commencé à épargner l'argent et puis vous dit après 5 ans pour capable commencer à construire, nous gain des produits pour ça, nous gain des dépôts à terme. Ensuite l'épargne de retraite aussi. En Haïti nous pas vraiment gain culture comme si c'est comme pour nous pas travailler encore. Donc c'est un bagage que vraiment m'aimer parler de lui pour nous c'est pendant nous jeunes nan même pour nous commencer le plus tôt que nous commencer à serrer quoi c'est le plus tôt que tout peut-être nous capable aller à la retraite pour ne pas besoin tant c'est l'un fin grand net pour nous aller à la retraite en résumé
pour bien gérer la totalité de votre épargne financière, que ce soit l'épargne liquide, l'épargne de projet et de retraite, vous devez avoir en tête le mot diversification. Le mot diversification, c'est parce que pour chaque type d'épargne, il y a des produits adaptés. Il y a des produits bancaires adaptés. Par exemple, pour une épargne de projet, on va mettre sur un compte côté que compte ça, on va prendre l'argent sous lui directement. Dans le cas ça, on va choisir faire un placement. OK? Donc, on va continuer. Là, vraiment, je vais partager avec vous les principes de base pour améliorer la gestion de vos finances personnelles. Disciplinez-vous. Donc, discipline, vraiment, c'est la clé. Ça fait, c'est la clé. Parce que m'gen wa la, jodi a, mwen la nan mouman kote ke m'ap partaje des conseils avec nous, m'ap partaje expérience femme avec nous, nous fait des exercices pour nous wè vraiment et situation financière nous nan ki état que lié. Mais décision personnelle nan li revenu à ou même, li revenu à ou même qui pour non seulement le fin fixer objectif yo pour discipline était tout et puis cap mandé tout pour faire un pile sacrifice parce que c'est pas me connais que li pas vraiment facile pour un monde éviter faire des dépenses compulsives. C'est vraiment discipline que va imprégner la caillou cap permet tout réussir genre d'action ça. Donc disciplinez-vous. Tu fais le choix de bien gérer vos finances personnel. Ensuite, payez-vous en premier. Deuxième conseil, c'est payez-vous en premier. Épargnez au moins 10% de vos revenus. T'as le yam d'a parler. Bon, mon expérience m'a toujours fait sous lieu de travail, moi. C'est que moun yo yo toujours tout pendant moi, yo toujours à acheter. Et puis kou yo paye yo et puis ouais plusieurs mon a défilé a bin touché comme si ouais moun nan comme si l'elle fin recevoir payroll pas là il gon l'autre payroll pour la faire pour la payer des bagages que il t'a acheté pendant tout mois. C'est une raison qui fait que li kon très difficile pour un moun épargner. Donc deuxième principe m'a partagé avec nous jodi a, c'est payez-vous en premier. Dès que vous recevez et payez le premier bagage pour faire, c'est payer tête. Payer tête, c'est simple. Vous devez retirer en 10% de salaire ou bien dépendamment de l'obligation. Vous devez plus, 10% minimum. Vous mettez le sur un compte. Vous mettez le sur un compte. Et ma conseiller nous devons faire de manière automatique. Comme si depuis qu'on a monté, dans le réglage, sur le banking par exemple, mais sur le banking online, ou juste mettre depuis qu'on a tombé à telle date, l'aller directement, il transfère directement. Le ça, on ne doit pas même rendre compte. Mais son épargne, ça veut dire tu te paies d'abord. Comme ça, tout, l'on doit. Et l'on doit servir pour fonds d'urgence ou bien l'on doit servir tout pour l'autre projet que vous gagnez. Le troisième principe, là, c'est organisez-vous. Organisez-vous. Toujours vérifier s'il n'y a pas moyen de réduire vos dépenses. Questionnez-vous. Pourrais-je modifier certaines habitudes? Est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que vous avez des addictions qui ne fait que m'a dépensé sans réfléchir. On connaît chaque monde là, il y a des péchés mignons. Donc, par exemple, au lieu d'acheter du café tous les jours, vous pouvez en préparer. Ou du moins apporter votre lunch au bureau au lieu d'en acheter. Et aussi, faire le suivi de vos dépenses journalières vous aidera en ce sens. Donc, l'homme dit faire suivi, hein?
Ça veut dire que pendant une telle période, on doit choisir faire pendant un mois, tout dépend si vous faites ou notez, si vous avez une fiche, si vous avez des reçus ou qu'un bio. Et puis, le mois arrivé, ou bien période où vous mettez, si c'est un mois, 2 mois, vous vérifiez fiche pour voir vraiment qui côté vous dépensez plus. Qui côté problème aller. Est-ce que pas un moyen pour me réduire dépensement dans telle catégorie ou bien dans telle autre catégorie. Donc ça c'est vraiment une habitude que nous avons supposé développer pour nous capables organiser nous pour nous capables réduire dépenses nous. Parce que encore une fois, on vit en Haïti et faut me dire tout que situation pays a dû intéresser nous. Dollar a monté par exemple, inflation, ça yo, c'est des situations qui ont une répercussion sur poche nous. Donc, nous supposons adapter nous, nous supposons regarder qui côté nous sommes capables de réduire les dépenses nous, parce que de toute façon, on doit continuer à vivre. Quatrième principe, c'est consommer de manière responsable. Consommer de manière responsable, hein, ce n'est pas seulement y a un rapport avec manger, il y a un rapport tout avec. Par exemple, des vêtements, des chaussures à acheter. Donc, consommer de manière responsable, dans le cas ça, il avait dit que, ou dépenser, ou acheter un bon soulier, ou mettre dans un bureau qui est capable de faire un bon 1 an, un bon 2 ans, au lieu que de temps en temps, pour acheter un paire de souliers qui est capable de faire 2, 3 mois. Donc, ça, c'est une stratégie, tout. Comme si le fait que vous achetez une chaussure, qui confortable, qui sont bonnes marques, donc sont façon de vous faire économie, pas obligé chaque mois, chaque 2 mois pour acheter un autre soulier. Il va tout pour rad. Cinquième principe là, c'est distinguer les bonnes des mauvaises dettes. Un prêt pour financer l'achat d'une maison, des études, le démarrage d'une entreprise peut créer de la valeur à moyen ou à long terme. Alors, c'est une bonne dette, contrairement au fait d'emprunter de l'argent pour organiser une fête. Donc, avant que nous fassions une dette, ça peut arriver que nous n'avons pas possibilité pour nous faire une dette, mais est-ce que ce sont bonnes dettes? Nous supposons réfléchir à ça. Est-ce que ce sont propres pour prêter pour investir dans l'étude, par exemple? Est-ce que ce sont propres pour prêter pour investir pour démarrer une petite entreprise? Une petite entreprise qui, par la suite, a grandi, que comme ça, a bien rapporté des revenus. Par exemple, quand nous avons des gens dans l'entourage, comme si fête pour arriver, obligatoirement, il faut faire fête. Alors que y a pas de moyen pour offrir tête yo fait dans le moment y obligé à prêter comme pour yo faire donc c'est vraiment déconseillé pour pas faire une dette qui pas vraiment rentable pour dans le futur. Sixièmement, trouver des façons alternatives d'augmenter vos revenus. Par exemple, utiliser des réseaux sociaux pour acheter certains produits de seconde main ou de revendre ceux dont vous n'avez plus besoin. Mettez à profit vos passe-temps. Exemple, des passionnés d'artisanat vendent leurs produits en ligne sur des sites comme Etsy, par exemple. Donc, but, point ça vraiment, c'est surtout pour ne pas gagner une seule source de revenus. Pour ne pas mettre tous les œufs dans un seul panier, c'est ce qu'on dit, hein? Mais surtout, comme si après salaire ou sous son employé, est-ce que par contre le petit bagage est capable de faire? Est-ce que par contre le talent pour développer que est capable de rentabiliser? Donc, toujours chercher des moyens, comme si pour gagner toujours un petit quoi en plus qu'à rentrer dans le monde qui est capable de compléter le dépense que vous gagnez. Tirer avantage des économies d'impôts. Donc, il y a des produits que banque offre qui pas taxable
Par exemple, les PER, plan d'épargne retraite, ou bien les PEL, plan d'épargne logement. Donc, genre de produit ça, yo, en tant qu'employé ou bien en tant qu'entrepreneur, on va faire déclaration définitive d'impôt, yo pas charge ou taxe sous genre de produit ça. Se fixer des objectifs financiers, j'aime d'abdil hein? Ils vous serviront de guide et pourront vous aider à avoir beaucoup plus de discipline. Donc, il y a un objectif qui est simple. Je souhaite économiser 1 000 $ d'ici décembre 2021 pour les vacances de Noël. Donc, si vous avez déjà un plan, si déjà un objectif pour économiser 1 000 $ dès janvier, donc, vous avez une idée de chaque mois combien vous allez mettre de côté. Est-ce que c'est 100 $? Est-ce que c'est 90 $ vous allez mettre de côté? Le temps que les décembre n'arrivent pour capable vraiment gagner 1 000 $ ça et puis atteindre l'objectif que tu as fixé. Ne pas avoir de carte de crédit si vous n'êtes pas en mesure de les utiliser correctement. Donc, il y a un autre bagage. Carte de crédit, c'est un outil qui est vraiment utile, il y a une pile utilité, mais qu'on s'en tout demander pour nous gagner en pile discipline la caille nous pour nous utiliser. C'est si capable permet tout vraiment faire des dépenses sans contrôle. Donc m'a suggéré nous avant que nous faire le choix pour nous gagner un carte de crédit pour nous mettre plus discipline la caille nous pour nous connaître qui le exactement nous capable d'utiliser. Utiliser le système d'enveloppe remplie d'argent. Système d'enveloppe remplie d'argent, à une époque, moi, t'es qu'on utilisait l'empile. C'est un système qui t'a aidé en pile. Et forme dit, ça, son livre vraiment marché. Livre vraiment marché. Moi-même, l'homme t'a commencé à me dire, comment ça va m'aider? Comment ça va m'aider? Et ensuite, on est venu voir que, il n'y a pas de résultat. Système d'enveloppe rempli d'argent, c'est un moyen qui vous permet d'utiliser beaucoup plus de cash que les cartes de crédit. Donc, ou bien vous gagnez plusieurs enveloppes dans mes mains, et puis pour chaque enveloppe, vous marquez quelle catégorie de dépenses y a bien la donne. Par exemple, pour une enveloppe, vous devez mettre c'est manger. Donc, dépendamment de comment manger, train de vivre, ou mettez quantité quoi ou allouer pour catégorie ça, dans enveloppe ça. Si pour transport ou bien ou pour l'autre enveloppe, vous mettez transport et vous mettez quantité quoi la donne. Pour loisir, tu fais exactement la même chose et ainsi de suite. Après ça, l'eau dépensée pour manger, obligatoirement supposé à une enveloppe qui n'est pas pour manger. Si c'est transport, on peut aller dans l'enveloppe qui est comme transport. Non. Si c'est loisir, tout. Mais loisir, on a nous sont. Étant donné que, bon, pas mal dit que ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas nécessaire même à manger. Ça arrive que, comme si l'enveloppe manger vide, le ça, il invite à tourner vers l'enveloppe loisir non, pour compléter. Et puis, mois prochain, le refait. Même activité ça donc quoi qu'on ait pour mettre plus scope dans enveloppe manger et moins scope dans enveloppe loisir et ensuite préparer un budget prévisionnel adapté à votre réalité puis devant n'a regarder ensemble qui ça qui budget hein? Et puis comment que pour qui ça lie important pour qui ça lie nécessaire et maintenant qui façon tout d'être capable et d'eau l'eau établir un budget. Toujours faire la différence entre un besoin et une envie. Un besoin, c'est un incontournable, alors qu'une envie, c'est un désir qui n'est pas obligé d'être satisfait sur le champ. Tout à l'heure, nous avons parlé de manger. Manger, c'est un besoin parce que nous ne pouvons pas arrêter sans manger. Mais envie, par exemple. Ok, je dois gagner
Je manger sous table la caille, il me dit, ah, ma vie mange un pizza. De préférence. Donc, son envie, c'est un désir, c'est pas un bagage qui est nécessaire. Ou bien doit arrêter, ou bien doit choisir manger, manger qui la caille, ou pas acheter pizza, et comme ça, ou économiser. Donc, avant de faire une dépense quelconque, toujours poser cette question, est-ce qu'on a besoin ou bien est-ce que son envie? Mais, toujours à m'encourager, mon yo, tout pour faire tête plaisir. Ce n'est pas que si vous avez les moyens, vous pouvez le priver de faire tête plaisir. Vous pouvez le priver de pizza, ça, que vous avez envie de manger. Hein? Vous pouvez le priver de ice cream, que vous avez envie de boire. Mais de un voyage, par exemple. Mais l'important, c'est de chercher à améliorer tête, nous, dans le domaine ça, pour nous connaître qui ça qui a besoin par rapport avec qui ça qui a envie. Ne vous laissez pas influencer par le style de vie des autres. L'une des causes d'endettement. Ça, c'est nous-mêmes en tant qu'humains, ou du moins en tant que jeunes, nous, le plus souvent, quittons nous influencer par les autres. Chaque monde a une situation de vie par eux, qui est différente. Ce n'est pas parce qu'on, par exemple, les acheter une machine tout neuf, que ou même tout ça, on pas les moyens pour aller acheter une machine tout neuf, alors que ou juste une possibilité pour offrir tout une voiture d'occasion. C'est pas parce qu'on est un monde comme si à voyager, à marcher dans un programme toute journée, que ou même tout ça, on pas les moyens pour aller faire tout, pour essayer qu'il y ait un statut. Donc, l'important pour nous travailler sous tête, nous n'avons point ça, pour nous vivre sous vos moyens pour être capable et vraiment pas rentrer dans faire dette à cause que nous voulons ressembler avec un tel. Mon n'était mettre bons amours nous chaque situation différente. C'est pas parce que li achète une machine neuve que moi-même sont obligés à acheter une machine neuve alors que beaucoup gain moyen. Ensuite, ne financez pas un bien qui se déprécie si vous n'êtes pas suffisamment prêt. C'est pratiquement la même chose. Donc, ou pas doué, par exemple, si ou pas les moyens nécessaires, il n'est pas conseillé pour aller acheter un bien qui a déprécié dans une machine, par exemple, tout neuf. Il n'est pas conseillé. Donc, ça, c'est des principes que, premier principe, j'aime d'abdil, c'est discipline. Cette discipline là vraiment pour nous implémenter dans la vie, nous, qui va aider nous à tout reste principe ça. À tout reste principe ça. Pour capable fixer, non seulement fixer objectif, mais pour être focus sur yo, pour prendre des décisions capables d'atteindre. Le budget. Le budget, bon, c'est. Le budget, c'est un outil prévisionnel qui vous permettra de bien gérer votre argent. Donc, budget, c'est un outil et c'est un outil prévisionnel. Et dit, lorsque budget, ça arrive que l'IPA répond avec situation, hein? Soit il y a moins ou bien comme ça, tout le monde va plus, parce que ce sont des outils prévisionnels que l'IA. Il va vous permettre de savoir où vous en êtes financièrement. Ça veut dire, l'on fait budget, il faut réfléchir sur source de revenus. Par exemple, il faut qu'on ait qui quantité qu'on va mettre dans mon. Il faut qu'on ait tout. Il faut faire une liste de dépenses en termes de dépenses fixes, dépenses variables, dépenses exceptionnelles, etc. Donc là, il faut qu'on ait où vous en êtes financièrement. Il vous permettra de prendre des décisions financières matures tout en faisant l'équilibre entre vos revenus et vos dépenses. Donc, automatiquement, vous avez une bonne idée de qui ça revenouillez, de qui ça dépensouillez. Donc, vous êtes capable de prendre des décisions matures. Il vous permettra de fixer vos priorités. Donc, lorsqu'on qui quantité quoi qui entre dans mon compte, quantité quoi vous dépenser, vous êtes capable de fixer des priorités pour qu'à dire ça a son priorité liée par rapport à tel autre bagage. Exemple, payer l'école petite, moins,
son priorité par rapport à par contre, voyager pour année ça. Il vous permettra de réduire le stress quotidien. Il vous permettra d'éviter des dettes, mais aussi de faire des économies. Donc, ça, c'est vraiment le rôle d'un budget. Ensuite, je vais partager avec vous certains livres que j'ai lus qui ont apporté beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie financière, que d'ailleurs je considère comme des livres de chevet, surtout premier, hein? La forme financière de Owen Woodward. C'est un livre vraiment qui t'a aidé en pile. Surtout, l'homme t'a parlé, non, de si l'homme t'est vraiment très jeune. Comment qu'on agit avec l'argent, comment qu'on dépense. C'est l'homme de finir moins compte que faut que je forme la tête moins dans sa gain rapport avec l'éducation financière. Donc, livre ça, son livre qui était vraiment aidé. Ensuite, nous avons les quatre lois de la prospérité financière. Ensuite, on a En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween. C'est un livre vraiment très intéressant que je vous invite à lire. Ensuite, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc, au cours de ce partage, j'ai vu avec vous, on a parlé de différentes choses, mais le plus important, le travail intrinsèque, le travail personnel que je vous invite à faire, c'est de vraiment découvrir votre relation avec l'argent. Et cela doit se faire automatiquement, obligatoirement, par une introspection, par un retour sur sa situation familiale, son environnement, les expériences vécues, pour savoir exactement la relation qu'on a développée avec l'argent et est-ce que ça a vraiment un rapport avec notre comportement d'aujourd'hui. Ensuite, après, on a aussi dit, on a parlé d'anorexique financier en termes de relation avec l'argent. Est-ce que tu es quelqu'un qui n'est pas vraiment très confortable à parler d'argent? Tu ne peux même pas négocier ton salaire dans un entretien d'embauche. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes? Est-ce que tu es quelqu'un qui est avare, qui aime épargner, 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 mais jamais dépenser quoi que ce soit? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime dépenser pour se faire voir? Est-ce que aussi tu es accro à la réussite, tu veux à tout prix gagner, gagner, gagner encore et encore beaucoup plus? Donc, automatiquement que vous aviez découvert, OK, quel type de rapport que vous avez avec l'argent, il faut maintenant investir en soi, investir dans son éducation financière pour s'améliorer. On a aussi défini l'éducation financière en termes plus simples, c'est comment faire de l'argent, comment le gérer et puis comment l'investir. Et aussi, on a parlé de l'importance d'acquérir des connaissances en éducation financière parce que ça va vous permettre de mieux gérer votre argent, ça va vous aider à développer des habitudes financières responsables à long terme, anticiper des imprévus par et le fait de bâtir un fonds d'urgence et de connaître l'importance d'épargner, l'éducation financière nous aidera à nous protéger sur le plan financier et nous aidera à atteindre nos buts également. Donc, un exercice beaucoup très, très, très important que j'ai vu avec vous, c'est le fait de faire le point sur vos finances personnelles et comment cela doit se faire. Il faut voir ici, il faut voir le, il faut faire le total de vos actifs, ça veut dire ce que vous possédez, vos comptes d'épargne, si vous avez une maison, si vous avez une voiture, ça équivaut à combien?
vous faites le total. Ensuite, les passifs, ça concerne les dettes. Est-ce que vous avez des dettes de carte de crédit? Est-ce que vous avez des emprunts personnels? Est-ce que vous avez des prêts? Vous faites le total. Ensuite, vous enlevez le total des passifs dans les actifs. Et à ce moment-là, trois cas peuvent se présenter. Total actif égale total passif. Là, maintenant, vous vivez vraiment à la limite. Ce sera vraiment difficile de faire des économies. Si le total des actifs est supérieur au passif, vous pourrez faire des économies, vous pourrez investir. Et le total des actifs est inférieur au passif, ça veut dire que c'est probable que vous avez déjà des dettes. Donc, à ce moment-là, et le comportement à avoir, c'est de se fixer des objectifs financiers. On a donné quelques exemples d'objectifs financiers, comme construire un fonds d'urgence, avoir un budget personnel, réduire vos dettes, commencer à investir, se fixer des objectifs à long terme, etc. Donc, j'ai aussi parlé d'épargne, qui est l'un des piliers de l'éducation financière, parce que ça aide à se constituer un matelas de précaution en cas de coup dur. Donc, épargne, c'est lui-même qui permet tout construire, par exemple, un fonds d'urgence pour leur nom en situation difficile. Si ou perd du travail ou bien mari ou madame ou perd du travail ou comment font d'urgence ça la utile nous. Et c'est dès le moment, c'est dès maintenant que nous devons commencer et construire, financer des achats nécessaires, des achats comme véhicule ou bien maison, par exemple. Donc, on est capable de commencer à épargner depuis jeudi à, et pour dire dans un an, deux ans, on va acheter une machine, on va acheter un caille, payer l'école petit tout, payer le loyer. Nous, quand on fait un erreur tout, par exemple, c'est le loyer qui est arrivé, comme si date là pour arriver, c'est le ça, on a cherché et jouer une cobla là. Mais par exemple, nous, on doit dire, sous payer Kaila 1 200 $ par exemple, on doit dire chaque mois, on va mettre $100 de côté. Puis le date l'arrivée, il n'est pas constitué un problème pour. Donc, tout ça a un rapport avec l'importance pour gagner un fonds et pour épargner. Et puis, l'important pour épargner pour retrait tout, l'arrivée dans un moment côté que ou pas travailler encore. Nous avons parlé tout de type d'épargne, épargne liquide, épargne de projet. Et puis l'épargne de retraite, nous avons décidé, nous avons parlé de qui ça y est. Et nous avons dit tout, il y a des produits bancaires qui sont vraiment adaptés à chaque type d'épargne. Donc, un autre conseil que je vais vous donner, c'est que nous décidons d'aller à la banque pour nous ouvrir un compte, poser des questions. Pas juste parler de nous ouvrir un compte. Parler avec moun ki nan servis a la clientèle nan, mandel ki karakteristik tel kont. Mandel men ki sort a remen fè, men ki proje ou gen, ki kont li panse, ki produ li panse kap mye adapte a situasyon pa ou lan, e pi pou li ofou ni. Pa jòs debake kon sa. Cherche, informe nou, d'abord. Ensuite, nou te pale de diferent prinsip de base pou nan amelyore finans personel nou. Premier, ça me dit, c'est discipline. Discipline. Si nous voulons vraiment améliorer tête, nous, pas seulement dans la finance, mais dans tout aspect vie, nous, vie personnelle, nous, vie professionnelle, nous, vie spirituelle, nous, li obligatoire pour nous gagner, ça nous relie discipline dans la vie. Nous. Et il y a l'autre principe que je mets en pile, c'est payez-vous en premier. Payez-vous en premier, hein? C'est avant de décider à faire l'autre payroll pour payer tout de tout, faire. Et retirer un 10% ou 20% de salaire ou bien de revenus pour mettre son compte. Ensuite, nous avons parlé de budget et nous n'avons pas capable de gérer le budget en tout. C'est discipline. La discipline, c'est vraiment, vraiment la clé pour s'améliorer en termes de gestion de vos finances personnelles. Donc, j'ai terminé avec ma présentation. Je suis disponible pour les questions.
Merci, Janida. Donc, à remarquer que Janida vous pouvez rentrer en contact avec elle sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Janida, en tant que nous passons dans la question et vous qui t'avez suivi nous, là, sur différents réseaux sociaux, Facebook, Zoom et page Sojibank, Chokarella et Bunge. Et il y a un phénomène que nous observons, étant donné que nous sommes en début d'année, c'est un phénomène que bon, peut-être que vous-même vous passez la donne, tout moi-même je passe la donne, depuis décembre, nous fini, nous peu janvier, parce que nous entrons dans janvier sans clou. Parce que tout petit avoir nous passé dans fête de fin d'année, qui attitude, mais qui conseille de cabaye, mon capitaine de yo, pour yo ka mieux aborder la nouvelle année, yo. Faire une meilleure gestion de. Et ça qui est dans mes ou surtout dans la période fête, ça se passe. Donc, Philippe, est-ce que vous pouvez reprendre une question? Hein? Parce que je me dis, on OK. a appelé chat, là, je me dis, on est en distrait. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il te plaît? En fin d'année, nous toujours avons peur de janvier, mois janvier. Parce que le nous entrons dans janvier, nous paraissons 5 mois en mois. Tout comme nous passons dans décembre. Alors, salaire, boni, le ça nous connaît, nous riches, mais en janvier, nous tombons sur face. Qui conseille ou t'acabaye, moun kap gade yo là pour faire une meilleure gestion de fonds qui rentrent dans mes en fin d'année particulièrement? Ok, j'aime fait toujours dire, par exemple, sous dans toute vidéo que mon connais fait, j'ai toujours dit que en décembre, il y a un pile monde qui toujours aimait faire des dépenses. C'est vrai que comme si en décembre, toute situation réunie pour faire tout le monde faire dépenses, parce que c'est une période côté qui a un pile fête, qui a un pile retrouvailles. Qui a un pile échange de cadeaux, par exemple, tout ça incite nous pour nous faire des dépenses. Mais conseil toujours bail un monde, c'est que pas dit comme si pour pas partager moment mandel, mais surtout faut continuer, faut qu'on certaine discipline la caillou qui pour dire que ou pas aller au-delà de ça qui dans monde. Ça veut dire que faut qu'on ait une certaine planification. Et je me toujours dit, comme si ce n'est pas en décembre nan même pour commencer à planifier, soit pour l'acheter, ou bien dans quel programme on peut aller en décembre nan même. C'est à partir de jeudi à même où on doit commencer à faire. C'est à partir de jeudi à où on doit réfléchir, ou à dire, OK, comme si décembre ça, mais combien on t'a dépensé? Décembre qui a venu, mais combien ou supposé ou pas dépenser? Et dès le départ, dès mois ça, on commence à planifier. Parce que une erreur que nous avons fait le plus souvent, on dit c'est sur le tas, c'est dans le moment même, comme si nous choisissons de faire des dépenses, et le ça, tout, nous avons acheté des bagages qui pas même vos prix. Donc, c'est pas dans le moment même. Pour connaître qu'en décembre, voilà, mais ça a fait. Décembre, on supposait commencer dès janvier. Et c'est ça tout qui pral fait, dans le moment décembre, non, ou pas pral dépenser en pile crobe, qui pral fait que dans janvier, moi, qui a venu après, que ou vraiment une broke. Donc, préparation, elle supposait faite dès le départ. C'est pas et dans moi même. Même j'en l'on moun comme si ou décide de voyager. Voyage là, ce n'est pas un mois avant ou préparer, mais c'est depuis avant. C'est depuis avant, même si vous avez acheté, vous avez venu à meilleur prix. Donc, c'est un travail de planification qui est supposé fait, quel que soit dans ce temps réalisé, que ce soit voyage ou bien des fêtes de Noël, tout ça. Son planification, c'est une discipline pour moun gagner la kaili dès le départ. Et pour y a dans chat là, Victor Multiservice qui pose une question. C'est quoi la définition d'avarice? Et deuxième volet de la question là, est-ce que avarice là, c'est le fait d'épargner beaucoup? Est-ce que c'est ça la signification? Est-ce que c'est? La définition. Alors, question
en réalité, question Victor, là, c'est quoi la définition de la rallye? Parce que dans ce tableau, nous avons partagé tout à l'heure, tu as anorexie, tu as avarice, tu as bon qui remet des pensées. Donc, tu as une définition avarice. Donc, dans le tableau, avarice n'a rien à rapport avec un monde qui radin. Ça veut dire un monde qui a un attachement excessif avec l'argent. Donc, son monde qui vraiment maniaque dans le terme d'épargner. Ça veut dire mettez l'argent de côté. Son monde qui vraiment, comme si attaché, son monde qui vraiment est vlé tout le temps à serrer, 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 serrer l'argent. Donc, moun sa, li vraiment difficile tout pour le retirer l'argent, pour le faire dépenser quelconque. Donc, son attachement excessif, yon moun gen par rapport avec l'argent. Yon dis, on moun ki avare. Nous avons Stanley Belizer qui félicite vous, qui dit que c'est une très belle présentation. Merci. Gaël Rivière, dans la présentation, là, vous avez évoqué le TLC, qui, comme un moyen, une source de revenus. Vous pouvez rapidement vous passer sur les saliers, exactement, parce que vous dites TLC, on va définir. Et TLC, je n'ai pas vraiment de définition, mais je connais c'est un business system. C'est un business system lié, côté que moun sa yo spécialisé yo dans des produits qui ont rapport avec le bien-être. Donc, des thés, des. Donc, tout produit sa yo, c'est des produits que moun capable consommer qui sont bon pour le corps. Tu vois? Donc, on connaît que il y a un pile moun qui nan mouvement TLCA a vendre produit ça. Mais en même temps tout li son business system parce que yon moun ki inscrit la dan capable influencer l'autre moun rejoindre ni nan mouvement ça pour yo vendre même produit ça yo et puis moun sa yo gagnent yon revenu en plus. Mais étant donné que m pa vraiment moi, pas un membre de TLC, hein? Juste connais qui ça mouvement yé. Et moun ki konn a parlé de lui, moun konn a tande yo. C'est même gen tout avec Amway qui sont business system. Côté que en plus de produits yo gen qui disponible, yo gen une sorte de structure pyramidale côté que yo utilisé pour yo vendre des produits, pour yo influencer l'autre monde vinn rejoindre yo et puis pour yo gen des revenus additionnels. Pour nous ajouter, nous avons dit que c'est un réseau, un réseau de monde qui mettait ensemble pour participer avec promotion et vente de produits donnés. Donc, Oui, il y a plusieurs produits qui ont un rapport avec bien-être. Enoch, qui t'a posé une question tout à l'heure, à propos des exemples sur la bonne consommation, qu'en est-il du cercle vicieux des pauvres? Ça, je ne l'ai pas là. Je dois acheter des chaussures de bonne qualité, durables, mais ces chaussures sont souvent offertes pour les gens non aisés. Donc, je me retrouve avec les moindres. Donc, je me retourne vers les moins de qualité qui n'ont pas une garantie certaine et impossible d'acheter les bonnes qualités quand je n'ai pas cet argent autant T. Donc, question énorme là, c'est bonne consommation. Des vrais exemples souliers qui éclaircissement des capotés pour énorme. Énorme, Jules. Est-ce vraiment ça me devait dire par là c'est que au lieu chaque mois chaque 3 mois on va acheter un soulier donc l'important pour acheter un bon soulier qui est capable faire 6 mois qui est capable faire un an donc là c'est ça me les consommations responsables hein? C'est ça me les tout et une façon pour faire économie,
pour au lieu de temps en temps on va acheter une ou juste gagner une, mais ça va vraiment un sacrifice tout. Ça va vraiment un sacrifice pour faire pour capable vraiment acheter bon comme nous par exemple paire de chaussures non pour capable vraiment acheter une paire de chaussures cap et cap fort plus temps que l'autre qu'on achète on demande des sacrifices et puis gagner des côtés gagner des boutiques de friperie pas vraiment qui vendent des produits neufs mais des produits de seconde main qui vraiment de bonne qualité. Donc tout ça c'est des côtés que nous capables joindre des produits de bonne qualité à des prix réduits. Et donc, ça me passe. OK. Donc moi-même compréhension par moi dans approche ça qu'on fait. Moi je reprends un autre concept pour partager évoquer qui c'est planification. Pour acheter souliers de bonne qualité qui durable là, c'est pas un bon matin on va lever on dit bon bra là son souliers de bonne qualité qui durable. Donc c'est un plan. Pour dire que m'bral souliers ça qui dans bien là presque crasé, mais envisager que dans 2 mois là crasé même commencer mettre l'argent de côté pour à l'acheter un soulier qui fait plus de temps. Est-ce que plus ou moins dans même ligne avec vous? Justement. C'est quoi même projet d'acheter de bonnes chaussures? Voilà. Mais même considérer ça tant que c'est un investissement pour faire d'un pied. Un investissement et puis pour faire économie tout. Oui. Pas oui. Bien garder. Et Philippe, il y a un monde qui dit li ba une réponse de TLCA. Son monde probablement qui fait partie de ah ouais. TLC, c'est Total Life Changes. Okay. Donc, ma konsou wè et réponse nan en bas chat nan. Oui. Et on m'a dit bay plus détail sou li. Nous remercier et Marvin Sano qui définit sigle la pour nous qui c'est Total Life Changes. Merci. Encore Garel Rivière qui m'a dit quid du système des sols pour épargner. Système très répandu en Haïti. Qui perception de sol parce que en pile bon on t'a dit c'est une forme de sol ou bien consortium il est très répandu effectivement en Haïti et dans toute structure dans toute administration que le privé que l'État lui existait qui soit pensé de méthode de système ou bien de méthode d'épargne ça et pour sol. Bon, faut me dire que moi-même à l'époque, je me suis dit participer dans le sol. Donc, le sol est vraiment capable d'un moyen d'épargne. Mais le problème avec le sol, c'est que comme si ou avez un droit dans le sol et puis ou touchez comme moi. Mais qui ça choisi fait avec comme ça? En plus, pour sol, si nous voulons en termes d'épargne, mais comme s'il n'y a pas vraiment de pièce avantage en plus. Moi-même, au lieu de sol, je suggère à un monde, par exemple, pour ouvrir un compte. Par exemple, dans Sogebel, nous avons un compte, nous avons un produit qui est le plan d'épargne logement, par exemple. Plan d'épargne logement, c'est pratiquement tant qu'on a un sol ou fait avec tête. Sauf que ça fait dire chaque mois, même avec un sol, chaque mois, on met une quantité de côté. Dès le départ, on dit chaque mois, on bail en quantité de 2500 gouttes, par exemple. Mais comme ça, on se place dans une institution financière, on gagne un intérêt sou li. Ou bien intérêt sou li que capable d'investir dans un projet de logement. Contrairement avec un sol, par exemple, ou juste sol nan sa moi qui avantage la dan seulement, c'est que si on moun a besoin kòb sur le tas et puis que ou parle à maman sol là par exemple ou di besoin kòb la kounya, il est capable fò jwenn. C'est ça moi comme avantage la dan seulement. Mais comme ça, alors, fin joigne sur le moment où besoin, nan, mais qui usage va le faire avec comme ça? Qui usage va le faire avec? Parce que moi-même, des fois, mauvaise expérience avec sol.
Des fois, mauvaise expérience parce que je suis rentré dans le sol et puis je suis touché le cobble. Le cobble a été dans l'enveloppe. Et puis, de temps en temps, depuis que j'ai besoin de cobble, je suis allé dans l'enveloppe là, ça ne m'a jamais compté. Et puis, son jour, j'ai levé mal dans l'enveloppe là. Cobble a été fini. Ça que je ne peux pas faire rien avec elle. Donc, seul avantage que j'ai gagné, c'est que si j'ai besoin de cobble rapidement, mon groupe, mon qui cotise en capable baoul, mais l'important tout pour qu'on ait vraiment n'a qui soit pas investi comme ça. Mais et moi-même, j'aime ça dire là, m'a suggéré au monde vraiment pour le chercher parce que il y a des produits que Banque Sogebel, Sogebank offrit vraiment qui est plus avantageux que juste rentrer dans le sol, qui n'est pas vraiment sûr parce que il y a un pile monde qui fait mauvaise expérience, comme c'est qui est fine. Et payer, par exemple, mais qui pas vraiment recevoir paiement par yo. Donc, pas une pièce principe qui écrit sous papier qui dit voilà, c'est tel monde qui est responsable, si que pas touché quoi bon, mais vers et qui monde pour tourner. Donc, son bagage qui est informel, donc son bagage qui prend risque là-dedans. Donc, je ne vais pas suggérer personne, entre parenthèses, rentrer dans le sol. Nous avons mis au taux au point. Bonsoir Janida, merci pour la présentation. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a des dettes, mais qui veut aussi faire des économies? Ne serait-ce pas mieux de payer ses dettes avant quand on dit qu'il paie ses dettes s'enrichit? Et je pense que la personne peut faire les deux en même temps. Par exemple, pour dette, je me suggère, si vous avez une dette qui commence avec vraiment, qui a un gros taux d'intérêt, vous pouvez commencer à payer. Vous pouvez commencer avec vous, commencer à réduire. Mais en même temps, tout l'étape bon, chaque mois, petit que lié pour mettre un petit bagage de côté. Au cas où tu as un grand problème puis devant pour capable gérer ça. Donc, ce n'est pas parce que mon gagne, ce n'est pas parce que mon gagne dette qui fait que l'idée doit retirer dans l'esprit l'idée d'épargner malgré tout. C'est ça. Non, c'est ça. Nous gagne Marvin Sano, une personne en situation de chômage avec pouvoir d'achat quasi inexistant, surtout au milieu de cette crise et aussi dans un pays comme Haïti, peut-elle réellement faire une gestion efficace de ses finances personnelles? Et pensez que nan, pour cas ça, il y a un monde qui pas vraiment gen kòb, c'est ça? Il y a un monde qui a fait face à une mauvaise situation difficile. Donc, pensez que nan situation que nous vivons aujourd'hui, la majorité du monde comme si a fait face à une situation difficile. Il y a pas le même niveau, mais chaque monde a fait face à une situation difficile. Donc, ça me toujours conseiller, Mounio, c'est vraiment, c'est pour nous rester positifs. Non seulement rester positifs, mais pendant que nous pas arrêter appuyer nous sur notre sort, mais pour chercher des opportunités. Par exemple, garder nan ou, qui talon gagné, qui ça ou capable de faire, comme si pour capable rentrer un petit cob en plus. Est-ce qu'on a un talent? Est-ce qu'on a un bagage qu'on fait? Est-ce qu'il y a des bagages qu'on vend? Est-ce que, par contre, est-ce qu'on a un travail pour yon, al vendre pour un monde, pour commission? Cherchez ce qu'on est. Parce que, on demoiselle, moi qu'on est, comme si, qui, situation famine vraiment précaire. Si même pour te payer l'école pour lui, et, yon pas de capable, yon pas de capable. Donc, demoiselle, ça, comme si son petit monde que vraiment vient apprécier, dans le sens que je viens ouais, que comment, non seulement dans la situation la vivre, la lire était positif, et puis il cherchait faire des bagailles. Pour me dire ça, comme si Philippe, demoiselle, j'ai choisi, fait
popcorn. OK. Li chwazi fè popcorn, li di kon sa ke popcorn nan la ban ni l'ekòl nan. Li fè nan apremidi et puis la vann popcorn nan l'ekòl nan et di popcorn nan non seulement la bien kòb pou li fè kopi des documents que le besoin, la bien kòb de pou li paye machine, la bien kòb pou li manje. Donc, on pense que nous chaque si n'a réfléchi bien dans environnement pa nous, gen un besoin quelconque. Gen un besoin qui besoin combler. Et puis nous-mêmes, n'a cherché les moyens pour nous capable combler. Non seulement n'a combler besoin mais en même temps tout la bon pour nous parce que la mettre petit comme dans poche nous. Donc opportunité là, c'est vraiment c'est réfléchi pour nous garder qui ça nous ca fait. Donc parmi la jolie fille qui félicite Ojanida pour présentation et qui pose tous des éléments supplémentaires ou bien additionnels à définition TLCA qui est un système d'investissement qui est rapporté à plus de 27% et que les reprennent pour dire que c'est un système pyramidal, j'en compte évoquer là. Donc il y a Pamela Jolie-Fils également attire attention sur le fait que à une époque, la Sojibank offrait un produit Solpam. L'avantage avec Solpam, la différence qui existait entre le consortium et entre particuliers et ce qu'on fait Sojibank, c'est qu'il y avait une mise à, comme gratification. Donc, et suggérait à la Sojibank de repenser et de revenir avec ce projet. Merci Pamela Jolie-Fils. Et noté et on pourra faire remonter et ton commentaire. Nous avons Gandhi Poupoulou qui dit comme ça. Bravo à vous tous et merci pour cette belle présentation. Ma question est la suivante. Quel conseil donnez-vous aux personnes qui n'ont pas un travail actuel mais qui veulent commencer à épargner afin d'investir dans le futur? Je voudrais avoir une mise en situation par rapport à Haïti. Non, la personne n'a pas un travail actuel, mais est-ce que la personne a quand même une source de revenus? Est-ce que la personne, est-ce que la personne a une petite entreprise? Ou du moins, est-ce que la personne reçoit de l'argent de sa famille? Ou du moins, bon, pour épargner, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose en main. C'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est quelqu'un de vraiment oisif qui n'a rien, ce dont je doute? Et je pense que dès qu'il y a une entrée, c'est possible de faire une épargne. Bien entendu, il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Oui, oui. Donc sur Facebook, nous récupérons deux questions. Donc, il y a Mimi Charlie Wayne. Et quoi yo dit l'on peut dépenser l'argent perd. Est-ce que c'est vrai, Janida? Quoi? C'est quoi yo dit l'on peut dépenser l'argent perd. Est-ce que c'est vrai? L'on peut dépenser l'argent perd. Comme si l'argent perd une sous. Exactement, parce qu'on peut dépenser. Jamais entendu parler. Je sais pas vraiment non. Alors l'idée qui cache derrière les questions ça que Mimi Charlie Way posait, et on perception de quoi de grands dépenseurs. Mon cap dépense en pile toujours ouais que mon d'avoir manqué quoi et puis qu'on y a là il y a tout tu quoi aussi leur père dépenser qu'on y a là où même mon père dépenser c'est eux même qui va manquer quoi c'est de cette idée là qu'elle à mon avis qu'elle a pu dégager ce questionnement là mais ça que sous permettre ça que penser que Mimi oublié c'est que généralement le nous garder un monde que considérer comme grand dépenseur. C'est dans un jour où elle a fait un pile de dépenses. Mais l'autre jour dans la semaine, elle a travaillé dessus pour lui mettre l'argent dans le poche à nous par elle. Donc, c'est peut-être ça. Nous-mêmes,
L'autre catégorie, à lui-même, il seulement a dépensé le peu qu'il gagne. Une fois qu'on dépense le peu qu'on gagne, c'est normal pour que vous pensez que l'argent courit pour vous. Quelles sont les meilleures méthodes d'utilisation d'une carte de crédit? Selon moi, c'est souvent s'endetter et s'appauvrir dans le futur, tenant compte des intérêts chargés. Ça, c'est question GT Joseph. Eh bien, pour faire une bonne utilisation d'une carte de crédit, d'après moi, c'est de l'utiliser comme une carte de débit. Voyez, donc, ou du moins, si vous achetez des trucs avec votre carte de crédit, il faut s'assurer de faire de payer le montant complet avant le délai de paiement. À ce moment-là, il n'y aura pas d'intérêt, il n'y aura pas de frais de retard. Ou du moins, utilisez votre carte de crédit comme une carte de débit. Si vous allez acheter pour 10 000 gouttes, vous avancez les 10 000 gouttes sur votre carte de crédit et vous faites vos achats. Aussi simple que ça. Donc, c'est pratiquement anticiper des passes là. Justement. OK. Nous avons Nathalie Limondé qui sont collaboratrices Sogebank. Elle dit comme ça, pour la vie a augmenté, pendant que, puis pendant nous-mêmes, nous avons une rentrée qui fixe, qui figée. Qui conseille pour travailler au monde pour faire pour élaborer un budget mensuel? Les autres comme ça, tout, des fois, ou quand sauter, bon, des fois ça va te permettre d'arriver dans une situation qu'on pas arriver payer tête en premier, 10% en côté dire. La première chose à faire, c'est de se payer en premier. Avant de faire tout Pas de voix. l'autre. Non, pas de voix. No matter what. No matter what. Comme si, c'est un des dit tout qu'on a fait de manière automatique. Par exemple, sur Soge Banking, sur Soge Ben Online, ou just metel. Ou just metel de manière automatique, dans date là, comme si transfert en fait automatiquement. Et puis, reste qui était, hein, ou fait budget avec. Donc, en termes de prix produit qui a monté, comme si c'est difficile pour nous tous. C'est difficile pour tout le monde. Comme si pour faire un budget, bien que son outil prévisionnel lié, et puis pour que lui vraiment adapté à la réalité. C'est ça que fait mon suggérer Mounio, comme si pour essayer de chercher l'autre source de revenus. Comme si à partir de salaire, hein, qui sont fait en plus, si capable de mettre si quoi n'a pas chou. Et puis, il est vraiment important tout, comme si pour ne pas faire des dépenses par-ci, par-là. Pour ne pas parler de monde qui a des péchés mignons, par exemple, on a des monde chaque week-end, automatiquement, il faut aller acheter des sucreries, des gâteries, des gâteaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le temps pour nous faire réduire sur eux, par exemple? Est-ce qu'il y a des monde qui accro au shopping, par exemple, depuis ouais on bagaille, faut qu'ils achètent. Donc, c'est des comportements que nous supposons travailler sur tête, nous, pour nous vraiment garder comment nous sommes capables de réduire les dépenses, nous, dans certains comportements que nous avons. Il y a des gens tout, c'est des gens qui aiment jouer loterie, des gens qui aiment jouer loterie. Ça, tout fait perdre un paquet de quoi. Donc, c'est vraiment important, comme si l'on fait budget, hein, non seulement salaire ou garder quelle autre façon ou capable et gagner l'autre source de revenus qui est capable d'aider faire face avec genre de situation, côté prix, à monter, inflation, genre de bagages, ça. OK. Jean-Lina, nous avons une dernière question avant que nous finissions. C'est Rinaldo Pierre. Est-ce que les gens qui ont une bonne éducation financière, c'est pas un radin amélioré? Moi, c'est que comme si dans la vie, il y a une question d'équilibre. OK. Il y a une question d'équilibre en tout. Tu vois? Donc, radin amélioré. Hein? Ou du moins, c'est pas un monde. C'est un monde qui
vin maîtriser à partir de formation que le tête li vin maîtriser tout principe de base en termes de gestion finance personnelle li vin connaître tout que épargne c'est un pilier lié dans l'éducation financière dans finance personnelle li vin connaître tout que dans dépense la fait yo c'est faut que li réfléchit avant que l'y font dépenses pour le travail sous tête li pour l'éviter faire des dépenses compulsives mais son monde tout qui connaît nan même pendant que la travail sous tête li pendant que la gérer quoi blanc son monde qui connaît tout que li gen droit pour le faire tête li plaisir son monde qui gen nan kòb la mettre de côté a li gen oasis kòb ça jodi an m'ap sorti a madame moi a mari ma petite moi m'bal nan restaurant. Nous allons faire un bon moment ensemble. C'est toute une question d'équilibre. Donc, c'est ça que nous avons cherché dans l'éducation financière. C'est ça que nous avons cherché pour nous, non seulement former tête nous, mais tout pour ne pas comme ça, mais au moins pour nous venir un certain équilibre dans tout ça que nous avons fait, dans toute décision que nous avons prise qui est capable d'avoir des répercussions sur vie nous, sur famille nous, sur futur nous, etc. Après, rappeler que le sujet aujourd'hui, c'est améliorer la gestion de vos finances personnelles en 2021. Donc, et ça que moi, j'ai retenu, c'est que tout se planifie. De un. De deux, pas rester focalisé sur une seule source de revenus. Gardez dans vous-même qui ça pour créer, pour augmenter ça qui a rentré dans mon monde. Et ça qui a rentré dans mon monde, pour une bonne gestion de lui-même, pour une bonne répartition de tout ça qui a rentré dans moi. Est-ce que vous croyez, Janida? Mot de la Oui, fin. super, super. OK. Donc, c'est toujours, comme d'habitude, un plaisir et une joie immense pour le groupe Sogebank d'être avec vous pour vous présenter cette session de SSS, Sogebank Startup Saturdays. La formation est de bonne qualité. Nous avons nous vous apportons des panélistes de grand calibre qui maîtrisent les thématiques. Et merci beaucoup, Janida, de ta disponibilité. Et merci d'avoir pris ton temps pour cette super présentation. Et pas ouais, qui ça m'a qu'à reprocher parce que les gens disent là, les livres sur tout le monde. Langage là, il est adapté à toute audience. Qu'ils sont jeunes entrepreneurs, qu'ils sont entrepreneurs aguerris ou bien sont monde qui a pensé pour l'alpha business, parce que le joignent dans la présentation ça. OK. Et bon, je tiens à te remercier, Philippe. Je remercie le département de marketing du groupe Sogebank qui m'avait contacté. Et je tiens aussi à remercier Madame Rivière qui avait été là. Et je remercie Pamela pour ta présence. Donc, je remercie tous les participants. Merci de votre participation. Il y a eu beaucoup d'interactions. Je suis bien contente. Et puis, bon, Philippe, je dois t'avouer que dès le lancement de cette activité, Sogebank Startup Saturday, je me visualisais déjà en train de présenter une séance. Ça, je te l'avoue. Hein? Et je dois te dire honnêtement que la force de l'attraction, ça marche. Positivement et négativement. Et Donc, maintenant, peut-être que c'était pas la dernière invitation. non, je dois quand même et venir avec d'autres sujets, bien approfondir certains sujets. Par exemple, on n'a pas beaucoup parlé du budget. On n'en a pas beaucoup parlé. Et je pense que dans un futur proche, nous aurons l'occasion vraiment d'accentuer sur les produits qu'offre le groupe Sogebank. Parce que ce sont des produits vraiment, vraiment qui sauront aider nous autres jeunes entrepreneurs à vraiment améliorer la gestion de nos finances personnelles, à nous améliorer en tant que personne et puis aller de l'avant, quoi. Merci encore une fois, Janida, de ta disponibilité et comme nous tout prenons rendez-vous là. Très bientôt, nous avons encore Janida sous panel là qui va venir éventuellement parler nous de budget ou du moins tout ça qui a un rapport avec bonne gestion et de cash, de revenus. Et c'est toujours un plaisir et nous toujours retrouver dans la même situation que nous n'avons pas fini. Mais malheureusement, nous sommes obligés de finir. Et
C'est la première édition de SSS pour l'année 2021, mais soyez en rassurés, ce n'était pas la dernière. À bientôt et merci. Restez en contact avec le groupe Sogebank, les réseaux sociaux. Nous avons, comme a précisé Janida, nous avons des produits taillés sur mesure pour notre grand public. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.